Le grincement des essieux du tram en guise de chant des cigales, le décor manque peut-être un peu de soleil et de Méditerranée, mais qu'à cela ne tienne, le Sud n'a pas le monopole de la pétanque. Car les amateurs sont partout, 300 000 licenciés éparpillés dans 6 000 clubs en France. En attendant le championnat du monde, le Pétanque Tour est venu baliser le terrain et quand la manifestation promotionnelle est de passage près de chez eux, les passionnés sont là, même si ça n'est pas près de chez eux d'ailleurs. On vient parfois de loin. Normandie, Caen, à côté de Caen quoi. Argence, je suis licencié chez Argence. Et les championnats du monde, vous allez venir ? Bah si j'ai une place, oui. Et si le championnat est complet, le Pétanque Tour c'est déjà beaucoup pour les fans venus là avec un objectif bien précis. Rencontrer les champions du monde, c'est des mentors pour moi. C'est cool d'être au sommet de la pétanque et de pouvoir donner une belle image à ce sport qui se développe de plus en plus. Donc je suis très heureux et le but c'est qu'on continue à développer cette belle image et d'attirer les jeunes, d'attirer un peu tout le monde quoi. Des champions pas là pour faire de la figuration, tous ceux qu'ils voulaient pouvaient venir échanger quelques boules avec eux. C'est comme si vous jouiez contre Raphaël Nadal au tennis ou que vous faisiez des dribbles avec Mbappé au football. Là, c'est face à Dylan Rocher, Henri Lacroix, des champions de ce calibre-là. Ça a été extraordinaire, c'était mon rêve. C'est contre deux grands joueurs du monde, très titrés. Et moi, c'est incroyable parce que j'ai quand même réussi à marquer un point et ça me fait plaisir. Après, le cochonnet sur le gâteau, ce serait de pouvoir prolonger avec le championnat du monde, mais à deux mois de la compétition, difficile d'obtenir son billet. On va essayer d'en avoir des places, surtout pour les petits, là. Ça serait bien. Sinon, c'est les boules ? Ben, un petit peu, oui. Même beaucoup, même, oui. Ça n'empêchera pas Nolan de continuer à s'entraîner un peu tous les jours, que les champions n'en doutent pas, la relève est assurée.